le paracétamol, ça va calmer un peu la fièvre si on a beaucoup de fièvre. Mais en général, dans le rhume proprement dit, ça va pas très loin. Et puis alors, il y a un deuxième médicament là-dedans, pseudoéphédrine. Alors ça, pseudoéphédrine, c'est ce qu'on appelle un vasoconstricteur. C'est un médicament qui a tendance à resserrer les vaisseaux. Alors ça diminue un peu les écoulements du nez et ça dégage un petit peu le nez. Ça fait pas de miracle, ça dure pas longtemps. Et puis surtout le problème bien sûr, c'est que c'est pas spécifique du nez du tout. C'est un médicament en comprimé qui fait de l'effet sur l'ensemble du corps. Donc ça a tendance à augmenter la tension artérielle et ça peut resserrer d'autres vaisseaux que ceux du nez, par exemple ceux du cœur ou ceux du cerveau. Tous ces médicaments composés là, contre le rhume, il faut arrêter de s'en servir, il faut les retirer du marché. Alors en attendant que les autorités prennent les mesures qui s'imposent, en pratique, il faut que les patients comprennent que c'est des médicaments qui ne rendent pas vraiment service, ils sont beaucoup trop dangereux pour les services qu'ils rendent. Il faut que les médecins le sachent aussi, heureusement il y en a qui s'informent, et les pharmaciens également.